décide une entreprise qui a été créée en 1996 par Jean-Louis Ribes, une entreprise adaptée qui a la particularité d'embaucher 80% de son personnel reconnu en qualité de travailleur handicapé. DSI est composé de 5 activités majeures, dont la bureautique est historique, la logistique au niveau du transport, la partie industrie, la partie multiservice aussi et la partie R&D. Ces activités ont été développées pour nous permettre d'embaucher les personnes reconnues travailleurs handicapés, quel que soit leur handicap. Nous embauchons environ une centaine de personnes par an depuis 2008 et notre plan de formation et notre politique DIF est donc à l'image de cette croissance exponentielle chez nous. Du coup, nous incitons fortement nos salariés à utiliser leurs heures de DIF et nous les formons énormément sur la bureautique puisque nous essayons de les rendre plus polyvalents. Alors pour vous donner un exemple d'une formation très spécifique à notre entreprise, nous sommes en train de former une personne reconnue en qualité de travailleur handicapé qui est sourd et muet et qui a sa propre façon de signer. Donc en fait la communication est très compliquée, que ce soit dans l'environnement professionnel comme personnel. Nous avons donc mis en place un programme de formation très spécifique et adapté avec une formation sur le français écrit, parce que c'est une personne qui est illettrée, sur réapprendre le langage des signes, la communication et aussi un peu d'informatique. C'est donc grâce au DIF que cette personne a pu mieux communiquer, s'intégrer au sein de l'entreprise ainsi que s'épanouir dans sa vie personnelle.